Le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer évolue depuis plus de 70 ans grâce à la ferveur des gens du voyage. Pour cette édition 2009, la mise à l'eau de Sainte-Sarah s'est déroulée sur la plage principale face à la mer. Autour des 9000 pèlerins, les gardiens à cheval ont amené la statue de la servante de Marie Jacobée et Marie Salomé en Méditerranée, symbolisant de la sorte son arrivée en barque il y a plus de 1500 ans. Dis-moi Antonio, quand on vient aux Saintes, c'est aussi pour le pèlerinage, mais c'est aussi pour jouer de la musique avec ses potes, avec des roms, des manouches. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt particulier de partager la musique ? Il y a un intérêt, parce que la musique c'est universel, hein. Bien sûr que c'est universel, c'est, la musique c'est, ça, on peut se marier avec toutes les musiques du monde, on fusionne. Mais bon, non, moi je préfère rester dans le pur. Dans le traditionnel, vraiment dans le traditionnel. Voilà. Je voudrais que Thierry dise aussi quelque chose à ce sujet. Bon, alors vas-y Thierry. Si on ne peut pas mélanger les musiques, parce que bon, la musique du jazz où Django est sorti, et c'est le résultat du jazz en fait, Manouche, hein, parce qu'il est lui le créateur, après il y a Birelli, il y a d'autres Chocolo, tout ça. Mais on ne peut pas mélanger les musiques. Le monde des Manouches, c'est les Gitans de l'Est. Donc ils ont arrivé à une notoriété extraordinaire avec des grands virtuoses de la guitare Manouche. Nous, on est Gitans espagnol, bon, nous c'est du flamenco. Eux c'est la rumba catalane, c'est autre chose, c'est pas pareil. Mais si vous voulez, c'est un monde où on ne peut pas mélanger forcément toujours les univers jazz, flamenco, rom. Les gitans en termes de pèlerinage sont tous unis, ça c'est d'accord. Donc en termes spirituels, on est tous unis. Quoique il y a beaucoup et des milliers de chrétiens aujourd'hui évangélistes dans le monde des gitans. Et ça il faut le noter, c'est une bonne chose parce qu'on est revenu aux sources bibliques plutôt qu'au catholicisme. Donc on a plutôt incarné la parole de Dieu, donc la Bible. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une réforme depuis 1948 où des milliers de gitans sont convertis à l'évangile. Ça, je trouve ça extraordinaire. Mais néanmoins, ce qui unit, si vous voulez, les gitans, c'est le fait que ce sont tous des musiciens. Et mis à part ça, c'est le, comment dirais-je, c'est l'aspect transcendant, c'est-à-dire la transcendance de Dieu, d'accord ? Bien que pour nous, si vous voulez, nous soyons aujourd'hui certainement plus évangéliste que catholique, comme Sainte-Sarah et tout le folklore catholisant qu'il y a là derrière ça, d'accord ? Donc voilà quoi.